il va bientôt faire nuit, Gribouille. Les humains vont commencer à rentrer dans leur maison. Ah. Et les rues de la ville seront toutes à nous, Pablo. Ouf, ça y est, c'est passé. Moi, j'ai même pas eu peur. N'insiste pas, j'ai pas eu peur. Qu'est-ce qui se passe, Pablo? Ça s'est allumé. Tout d'un coup. Regarde. Ça s'allume là-bas aussi. Et là. Et puis là, ça s'allume partout. Mais qu'est-ce qui se passe? J'aime pas ça, Pablo. Je vais rentrer à la maison. Regarde, le sol bouge. Oh là là. On les a semés. Personne ne court aussi vite qu'un petit renard. Sauf un chat de gouttière qui chasse son dîner. Ah, oh, Gaspard, d'où est-ce que tu sors? J'ai toujours été là. Et vous deux, d'où sortez-vous? Et pourquoi êtes-vous si nerveux? Eh bien, en fait... D'abord, champignon géant, c'est... illuminé dans le ciel. Et puis après, ces grandes formes noires nous ont couru après. Alors, on a grogné très très fort comme ça pour les chasser. Mais elles sont revenues plein plein plein, alors on s'est enfui. Hé, Gribouille, coucou, on est là. Et ces formes, elles vous suivaient de près? Oui, et jusqu'ici. Et elles ne sont plus là? Ah, juste à l'heure. Et dites-moi, ces formes, elles ressemblaient à ça? Ce n'est que mon ombre, vous voyez. Elle copie tous mes gestes. C'est la forme de mon corps qui apparaît dès que je passe devant la lumière. Oh, c'est la lumière qui joue des tours. Alors, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur des ombres. Félicitations! Vous venez de faire une nouvelle découverte. C'est parfait, mais maintenant, il est l'heure de rentrer chez vous. Est-ce qu'on peut jouer encore une fois avec nos ombres? Allez, libre.